Salut à tous. Bon, la dernière fois, je vous avais laissé devant un coffre. Et voilà ce qu'il contenait, une Magicite. Donc, j'ai pas jugé utile de vous le montrer. Donc, voilà. J'ai continué la caverne jusqu'au prochain coffre. Qui se trouve être devant moi. Qui est piégé. Et voilà le monstre. Donc, c'est un monstre qui existe justement depuis FF6. Hein, qu'on ne connaissait pas avant. Donc qui s'appelle Tomberry maintenant. Donc là ils l'ont appelé Maître Pug, voilà. C'est un choix quoi. Donc maintenant il a bien évolué, il est vert, il a un couteau dans la main gauche et une lampe dans la main droite. Et je le sais parce que voilà, ça c'est son attaque la plus puissante. Hein. Donc il a pas l'air de faire très mal, mais en fait à chaque fois il s'approche de nous, parce qu'on attend trop. Et chaque fois qu'il s'approche, il fait plus de dégâts. Donc à la fin bon il nous tue un coup bien sûr. Ouais, il a réussi à approcher. Bon, j'ai réussi à esquiver grâce à Illumina qui donne une bonne esquive. Vous allez voir, il est pas si fort. Hein. D'ailleurs, là, il devrait être mort. Voilà. Donc, petite anecdote, j'ai une peluche Tomberry. Ça peut vous paraître débile, mais c'est comme ça. J'ai aussi une peluche Pampa à l'espèce de cactus. Alors, donc là on a obtenu Graedus, donc la meilleure deck du jeu, vous allez voir. Voilà, elle augmente l'esquive en plus. Donc si on lui met ça, j'aimerais faire un petit test là, attendez. Juste histoire de voir un truc. Ouais. C'est juste un petit truc, hein. Je veux juste voir un truc. Ok. Voilà, vous voyez. Esquive 105%. Parade 92%. En mettant que les trucs qui augmentent l'esquive. Eh, mais attendez. C'est quoi ces conneries? Ah oui, d'accord, on peut pas mettre. Eh, ouais, ouais, c'est con ce que j'ai dit. Vu qu'on peut mettre que deux reliques, on peut pas mettre les deux armes en même temps si on fait ça. Enfin bon. Je vais remettre ces. Non, allez, je laisse comme ça. Voilà. De toute façon, la caverne est bientôt finie. Je vais changer de perso, donc on s'en fout un peu hein, de ça. Donc, j'ai recommencé cette vidéo plusieurs fois. Donc, la première. Merde. Quel con. La première fois que j'ai recommencé, en fait, c'était vraiment l'horreur. Parce que voilà, ça, c'est la vidéo 63. Et en fait, avec Cam Studio, à la fin, bah, voilà, faut indiquer le nom du fichier. Et je me suis trompé de mettre 63. Et ça se peut faire un coup. J'ai mis 53. Et comme eux ils te demandent pas si t'as déjà un fichier du même nom. Ils te demandent pas si tu veux remplacer, ils te le remplacent direct. Donc je tape 53, là je me suis dit merde je l'ai déjà. Hop il était en train d'enregistrer par-dessus la vidéo 53. Alors là j'ai stressé comme un porc, j'ai fait contrôle, j'ai essayé de quitter, ça il voulait pas. Alors j'ai pas cherché à comprendre, j'ai carrément arraché le câble quoi. J'ai arraché le fil de l'alimentation. Ah ça serait bien pour Strago, tu vois. Faut que j'y pense, faut que je revienne ici. Strago il peut apprendre ça, j'en suis sûr. Donc il suffit de prendre Realm, utiliser Control et... Et voilà, l'apprendre. Et justement, en parlant de Strago, on va faire maintenant la quête de Strago. Donc là, bien sûr, il faut continuer notre truc. Mais le petit problème, c'est que voilà notre dirigeable, il est de l'autre côté, dans l'autre désert. Donc on va devoir faire demi-tour. Voilà, demi-tour. Donc voilà, ouais, la vidéo, j'ai recommencé à cause de ça. Et puis la fois d'après, bon, il y a un truc tout con, c'est la mise à jour. Une mise à jour Windows qui s'est lancée en plein milieu, ça a fait laguer le... Bon, ça arrive tout le temps, hein. Donc ouais, vous vous rendez pas compte, mais tous ceux qui font des vidéos, ils la recommencent, mais ils vous le disent pas. Ils vous le disent pas. Bon, je vais pas vous dire à chaque fois que je recommence une vidéo. Quand j'ai pas à me plaindre, ça déconne pas souvent.
Enfin, le truc de la vidéo 53 là, ça m'était déjà arrivé avec Golden Sun. Je dois recommencer le jeu depuis le début. Hein. Je vais louper une. Voilà, alors maintenant on va faire une quête avec Strago comme je vous l'ai dit. Il faut tout d'abord se rendre près du village de Strago qui se trouve tout au sud-est. Voilà, donc on va changer son équipe. Donc là on parle avec quelqu'un en pif, on s'en fout. Très instructif, que bon. Attends, je vais voir ce qu'il dit lui. Alors lui c'est encore plus constructif. Alors marre lui, mais là ça dépasse les bains. Bon, alors pour cette quête secondaire, il faut absolument avoir Strago et Rem, les deux. Hein. Et on va prendre en plus les Céleste et Cyan, parce que ça fait longtemps qu'on les a pas pris. Alors regardez leur niveau 34, 41, 46, enfin vous voyez, 42. Enfin ils ont même pas le niveau 40, donc on va les mettre là. J'alterne souvent les persos comme ça, tous ceux qui aiment comme les autres persos. Enfin, je sais pas si on a beaucoup qui aiment Realm, hein, mais moi je l'aime pas. Donc, on va mettre, voilà, ainsi que, je vais prendre 8 attaques, mais là c'est Cyan, c'est pas pareil. Hein. Parce que lui il a pas les mêmes armes que, merde je me suis gouré de trucs. Je me suis gouré de reliques, hein. Donc c'est pas Gant, c'est, voilà, c'est ça, Gant Ganvi. Strato plus moi ça met, ça va faire assez mal. Ah non, j'ai oublié de faire un truc. Donc ça, oubliez pas de le faire parce qu'après on s'en rend pas compte si on fait de la merde. J'ai oublié de déséquiper les autres. Voilà. Là, ça devrait être mieux maintenant. Voilà, ça fait déjà mieux. Par contre, au niveau esquive, laisse tomber après. 1% de parade. Donc là, voilà. On peut les équiper mieux que ça. C'est bon. Elle, on va lui mettre des baskets, voilà. Elle, on va lui mettre l'épingle dorée. Donc oui, quand on avait les choix entre l'épingle dorée ou sauver le mob, il fallait absolument sauver le mob. Parce que de toute façon, les épingles dorées, on en a plein après, comme vous voyez. On va lui mettre une boucle d'oreille avec ça. Quoi qu'on appelle une boucle d'oreille, on va lui mettre. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Machin de héros, là. Ouais, voilà. Lui, on va lui mettre un ruban et une chaussure. Voilà, ça c'est bon. Ouais. Bon, pour l'instant, parfait. Hein. C'est bon, ouais. On va leur mettre quelques espères. Donc lui, je vais apprendre des trucs de soin. Ça suffira. Lui, on va lui mettre ça comme ça, il augmente sa force. Elle, on s'en fout. Allez, on va lui mettre des trucs de vie. De toute façon, j'utilise pas souvent, donc je m'en fous. Et elle, on va lui apprendre, voilà, glace 3, mouffe 3, etc. Il sort de niveau 3, quoi. Donc voilà, ils sont prêts. Alors maintenant on va aller à leur village, vous allez remarquer un petit détail amusant. Là vous voyez, ce truc. Là y a rien là, c'est juste un petit rocher, il n'y a pas d'entrée là, hein. Vous êtes bien d'accord. On va avoir une scène dans le village de Tamassar, hein. Village de Strago et de Rem. Alors moi ce qui m'éclate, c'est que c'est le seul village qui n'est pas détruit. Ouais, je vous laisse la scène. Gungo, si vous connaissez pas, c'est normal, on n'en a jamais entendu parler avant. C'est juste un petit, voilà, un petit perso qui sert à rien. Donc ça fait pas partie du scénario principal, c'est une quête secondaire aussi. Hein. Vous doutez bien.
Voilà. Donc là, ce que j'adore, c'est que Strago il dit je vais y aller seul, etc. Et puis on est quand même dans tout, tous les quatre dans l'équipe. Bon, c'est con. Voilà, là on va se reposer. Oui, alors en ce qui concerne les rêves de Shadow, je crois qu'il y en a un autre qui parle de Realm, parce que c'est sa fille, hein, je vous l'ai dit. Parce que si je me souviens bien, il y avait une cinématique en version PlayStation. On voyait un train ou je sais pas quoi. Enfin, de toute façon vous verrez tous les rêves, hein, je vais vous les montrer. Donc là je vais pas dormir tout le temps pour essayer de l'avoir. Puisque je l'aurai jamais. Il a pas beaucoup de vie Sian, c'est quoi ça d'ailleurs? Sian a moins de vie que Strago. Il a moins de vie que... Ah non c'est bon, il a pas moins de vie que Realm, j'ai peur. Bon, quand même il a pas beaucoup de vie. Hein. Heureusement qu'il a une bonne attaque quoi. Donc là, ouais bon c'est bon, on va sortir d'ici. Donc vous vous rappelez, le rocher il n'y avait pas d'entrée ni rien, je viens de le remarquer en fait en faisant les vidéos, et là oh une entrée est apparue. Donc en fait s'il n'y a pas la scène il n'y a pas l'entrée, donc c'est pour ça qu'on peut pas faire les quêtes secondaires si on rentre pas dans le village de Strago avec les deux persos. Et là voilà, vous allez voir, c'est assez spécial comme truc. Il y a un coffre qui parle. Bon, il est chiant. On a un sale gosse malgré lui. Mais... Voilà. Donc de toute façon, on en a pas du corail. Donc ouais, faut marcher sur un bouton à chaque fois et on trouve des coffres comme ça. Et déjà, je vous dis, il faut 30 bouts de corail. De corail en tout. Quoi, mais j'ai pris Mog, moi, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah non, c'est Strago, excusez-moi. J'ai eu peur. Hein. Oui, c'est Strago, mais il a la tenue Mog, donc du coup, il ressemble à Mog. Mais c'est Strago, hein, je vous jure. Là, vous voyez, il attaque avec des baguettes. Bon, là, il va souffrir. Putain, déjà? Ça sera vraiment des grosses choses. Donc oui, c'est Strago, le gars, hein. C'est pas Mog. C'est parce que, regardez... Il a habit Mughal, voilà. Donc c'est normal. Voilà, il en faut 30 en fait. Donc il suffit d'appuyer sur un peu sur tous les boutons comme ça. Bon là, il y a des points de sauvegarde des fois. Et tout au bout, voilà, une fois que le coq nous a s'est passé, il y a un boss. Donc ça sera pour la prochaine vidéo, je pense. Et ce boss, comment dire, il est pas dur, mais il faut pas le tuer avant qu'il nous apprenne une des meilleures magies bleues, enfin même la meilleure, de Strago. Bah bon, ça blesse qu'un seul perso, ça. J'aurais pas cru. Putain, il fait vraiment des dégâts là. Ah mais il peut tuer un coup aussi, ça va. Avec le cimetière. Vous voyez, c'est efficace. Donc là, j'ai pris mes persos les plus pourris, hein, donc ils font des dégâts cons, etc. Donc combien j'en ai là? On peut le voir là. Hein. Ah, ils disent pas combien on en a. Aïe, 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 j'aurais dû compter.
Enfin, au début, t'en donnes 5, et puis après, pour toute la rage, t'en donnes de moins en moins, quoi. Donc voilà, c'est assez court à faire. Là, je dois en avoir au moins 20, hein, je pense. Peur, là. Oula, non, ça, c'est du dégât, donc. Et en fait, il fait rendre la merde, hein, ça. Je serais plus puissant que ça. Faut que je les entraîne bien eux parce qu'ils ont vraiment des niveaux. Voilà, il a fait moins mal que Céleste avec un seul coup. Hein. Putain, t'as pas mieux que ça quoi. En plus après faut retrouver le coffre. Je sais plus où il est du tout. Hein. Bon, à force d'appuyer sur le bouton, on va le retrouver, mais... De toute façon, le boss sera pour la prochaine vidéo. Et là, je vous dis, je l'ai fait assez vite, hein, parce que... La première fois que j'ai fait les vidéos, j'étais arrivé au début de la caverne. Pourquoi il fait des dégâts aussi mieux? Il m'énerve. Donc ça je crois que c'est la case secondaire la plus simple en fait. Parce que les ennemis sont faibles. Ouais faibles ouais. Ouais. Je réfléchis ça mais si ils sont bien faibles. Merde. Ils sont chiants. Oui, je retire pas ce que j'ai dit, c'est bien fait. Donc voilà, dès qu'on a 30 bouts, donc je vous conseille de compter, hein, 30 bouts de corail, ben, on va voir le coffre. Bon, après, faut appuyer sur tous les boutons pour savoir où il est, voilà. Bon bah c'est toujours pas assez hein. Donc on peut lui donner en plusieurs fois apparemment. Bah, voilà vous avez compris le système quoi. Et quand vous avez 30 bouts donc on se retrouve toujours dans la même caverne. Et quand vous avez 30 bouts bah, vous lui donnez. Et en fait on va se retrouver à la prochaine vidéo juste devant le coffre. Je vais vous arrêter de faire super ça, hein, vous avez compris, c'est tout le temps pareil de toute façon. On va se retrouver à la prochaine. J'attends juste la fin du combat. Voilà. Donc à la prochaine vidéo devant le coffre. Allez, salut.